visitons cet autre temple, le Wat Xiang Tong. Outre ses sculptures dorées, il possède un très bel arbre de l'illumination en pâte de verre et mosaïque. Ce bâtiment abrite le char funéraire du roi Sisavong Vong. Entrons, voici le char funéraire. Il porte l'urne contenant les cendres du roi, décédé en 1959. Plus il y a de clochetons sur le toit, plus le bâtiment a abrité un personnage important. Qu'est-ce que c'est? Des piles solaires? Non, des galettes de manioc. En saison humide, l'eau couvre cet escalier et on peut alors voir un spectacle étonnant. Ces photos ont été prises par un ami de passage ici durant la saison humide. Des bons et des novices arrachent au Mekong les arbres qu'il a charriés jusqu'ici. Cette récupération leur permet de constituer un stock de bois pour l'année. Eux aussi utilisent du bois pour faire la cuisine. Au bord du Mekong, à l'extrémité de la ville, voici le temple bouddhiste Lao vietnamien, dont le style diffère de celui des autres temples de Luang Prabang. Au milieu d'un cadre fleuri, nous y voyons un grand Bouddha assis. Dans ce bâtiment, un grand Bouddha couché figure Bouddha mourant alors qu'il vient d'atteindre le Nirvana. Il est très agréable de venir se reposer ici en attendant le coucher du soleil. Peu de gens ont l'eau courante. Aussi est-il fréquent d'en voir faire leur toilette au bord du Mekong. Dans ce coin reculé de l'Asie, une lourde journée de labeur ne sera récompensée que de 1 ou de 2 repas.
Le Laos est une république démocratique populaire dans l'ombre du Vietnam. Le pays compte moins de 5 millions d'habitants. Ces gens sont venus de villages lointains faire des achats en ville. Ce ne sont pas des Lao. Sachez que la moitié de la population est dite d'ethnie Lao et l'autre moitié partagée entre plus de 60 groupes ethniques différents. Nous allons partir à la découverte de quelques villages. Nous ne prendrons pas cet autobus, on ignore où il va. Ce minibus ne nous convient pas non plus. Louons un taxi pour la journée. Nous serons autonomes et le ferons s'arrêter quand il nous plaira.